Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk spécial élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour cette émission, nous analyserons les différentes politiques sociales du candidat Ouattara et la politique sociale du candidat Afi. Pour en parler, Monsieur Dango Asanvo, secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets urbains au Front populaire ivoirien. Vous êtes aussi porte-parole sur ce plateau du candidat Afi Nguessan. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le Grand Talk. Merci. En face de vous, un journaliste, Monsieur Assalé Thiemoko, directeur général du billet hebdomadaire indépendant L'éléphant déchaîné. Assalé Thiemoko, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue pour participer au débat. Merci. Monsieur le ministre Patrick Hachi, ce soir sur ce plateau, pas en tant que ministre, mais en tant que porte-parole du candidat Alassane Ouattara, porte-parole du RHDP. Et en face de vous, Monsieur Jules Dompché, journaliste à Vox Africa. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, on va parler monsieur. Tout de suite des bilans croisés de monsieur Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Jules Dompché, sur les bilans croisés. Je vais commencer avec le ministre Patrick Hachi. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors vous êtes la personne indiquée et a été le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à maturer, à être mis en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. Hein. On commence d'abord par identifier les projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche les financements. Quand on a trouvé les financements, on fait des appels d'offres. On choisit un adjudicataire. Il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Oufouette. D'accord ? Ce sont des projets, quand on vous dit par exemple une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur, il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. Alors ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce que ils ont été identifiés, les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Oufouet, on le reconnaît à ça, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructure qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien. Qui est capable, derrière vous, d'appeler des bailleurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc le tout n'est pas d'y penser. Le tout est d'arriver à le faire et donner les moyens de le faire. Donc, ce que vous essayez de nous dire, avec vos permissions, M. Patrick Hachi, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces projets datent d'avant. Mais bien sûr. Voilà, datent d'avant. Bien sûr, quand on vous parle du pont de Jacquesville, mais il date depuis Gracadji, le président Philippe Yassé, ça fait 40 ans depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacquesville et qu'il faut faire ce pont. Donc, il date. Hein. Si vous prenez l'autoroute de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri Conan-Bédier, il date. Tous ces projets datent. Mais il date de quand? Parce que c'est la polémique. Si le pont. Je vous prends par exemple le pont Henri Conan-Bédier. Voilà, il date de quand? Henri Conan-Bédier date donc d'une vingtaine d'années. Et particulièrement ce projet-là, les études ont été faites. Les fonds ont été mobilisés. L'appel d'offres a été fait. L'entrepreneur a été trouvé. Et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999, quelques jours avant les événements. Et à cause des événements, les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, un ou deux sont partis assez rapidement et le bouclage n'a plus se fait. Donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, Laurent Gbagbo, est venu, avec d'ailleurs comme Premier ministre Afi, qui était mon Premier ministre. Le Premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs la dernière fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où en est le pont Henri Conan-Bédié. Enfin, où en est le troisième pont, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer? Ça ne va pas démarrer? Jamais, à aucun moment, pendant les deux ans où il a été Premier ministre, il m'a posé une seule question sur le troisième pont.
Vous étiez ministre. Alors, ministre des infrastructures. Alors, deuxième, je continue. Attendez, on continue là. Ensuite, est venu le Premier ministre Saïd Diarra, il est parti. Quand le Premier ministre Saïd Diarra, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que mobiliser des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le Premier ministre Soro est venu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds arabes, la BID en particulier, son guichet privé qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pied. C'est quand on est venu en 2011 que, ayant saisi le président Ouattara, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un pont relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD s'est mise chef de file. En l'espace de 6 mois, tous les financements ont été bouclés, le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, tous les jours, il se passe un mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça n'a pas commencé? Et on a bouclé ce projet-là. Donc, si on me dit que ce projet a commencé, je dirais, pendant Babo, et que... Bon, on arrête la plaisanterie. Alors, Mais en fait, monsieur le ministre. Après, on prend le pont de Béoumi, les financements ont été bloqués. Après, on prend le pont de Bassawa, les financements ont été bloqués. Après. Donc, vraiment, je monsieur suis... Monsieur Patrick Hachi. Monsieur Patrick Hachi. Je me suis dit, vraiment, il a la chance d'avoir le journaliste en face de lui. Parce non, mais monsieur Laurent Gbagbo vous a déjà appelé sur le pont une fois? Jamais. Jamais. On va aller sur une autre question. Je dis le pont sur les infrastructures. Le président en copasse, mais Afi Nguessant, chef du gouvernement, qui prend les pouvoirs, qui arrive avec un pont d'une telle importance, qui a démarré là, et qui a dit tout obligé de s'arrêter. Donc il suffit de rappeler les bailleurs de fonds, de rappeler l'entreprise, de s'asseoir avec elle, de négocier. Ce pont sera achevé depuis 2004-2005. La question à Saleh Diboko. Monsieur le ministre, si je vous suis bien, vous avez dit qu'en décembre 1999, donc sous le président Bédié, le financement de ce pont était déjà bouclé. L'entreprise même était choisie. Était déjà choisie. Oui. Alors, ça me permet de poser la question au porte-parole d'Afi Nguessant sur le plateau. Monsieur Dongo Asambo. On a écouté le candidat Afi Nguessant la télévision la dernière fois. Il a dit que le président Ouattara n'avait aucun mérite parce que c'était des projets du président Gbagbo Laurent. Tel que M. Patrick Hachi vient de nous rappeler, cela remonte à Oufou Boigny. Alors où se trouve la vérité au FPI? Je pense que M. le ministre vient de mettre corroborer tout ce que les Ivoiriens pensent. Parce qu'il vient de dire là que des projets étaient là, il y a eu les événements de 99, après il y a eu d'autres événements de 2002 qui ont pourri l'environnement économique et social et qui ont fait qu'un certain nombre de choses n'ont pas pu bouger. Je vais vous demander de vous exprimer un peu plus fort. Oui. Il vient de corroborer ce que nous pensons et ce que le Premier ministre Afi a dit. Et il vient aussi de nous permettre de l'évaluer en tant que ministre, puisqu'il était là pendant, sous ces différents gouvernements, il vient de nous permettre de l'évaluer. Le FPI dit le pont, le troisième pont, Henri Codan Bédié, c'est un projet du président Gbagbo Laurent. Lui, il remonte à la période du Faux Boigny. C'est là que j'ai ma question. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles, M. Dongo Asambo, que vous êtes quand même le secrétaire national du FPI chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Donc il ne corrobore pas. Il dit que le projet remonte depuis Faux Boigny. Donc, ce n'est pas un projet de fou. Je précise une chose. Il vient de dire tout de suite qu'effectivement, ceci explique cela puisque j'étais là. Alors, la question que je vous pose, je suis le même ministre. C'est les mêmes projets. J'ai pendant 10 ans un président de la République. Je fiche absolument rien puisque je n'inaugure aucun projet. Et puis ensuite, de 2011 à 2015, transformé. Je fais les projets pratiquement les uns à la suite des autres. Pendant pratiquement 3 ans, on ne sort que des projets. J'ai changé fondamentalement. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la donne qui a changé? Ce n'est pas la crise. Moi, je propose que M. Dongo réponde à la question. Monsieur Dongo répond à la question. Monsieur Dongo, vous avez dit évidemment que l'attitude du ministre corrobore. Mais corrobore quoi exactement? Corrobore que ce n'est pas sous Ouattara que tous ces projets ont été exécutés. Je suis désolé, monsieur le ministre, c'est très bien. Je vous retire la parole. On va essayer de respecter le temps de parole de chaque représentant candidat. Allez-y, monsieur Asambo, que monsieur Hachi dit, c'est que même si les projets datent de longtemps, c'est sur Ouattara qu'ils ont été concrétisés, et ça, c'est un fait. Non. Les projets n'ont pas été concrétisés. Mais on voit bien le pont. Écoutez, monsieur le ministre a identifié les différentes phases d'exécution d'un projet. Oui. Il a parlé d'identification, il a parlé des études, de la recherche de financement, jusqu'à ce qu'on choisisse l'adjudicataire et que finalement les travaux se réalisent. Il a donné l'exemple du président Henri Konan Bédié, qui avait un certain nombre de projets, et puis il y a eu les événements de 99. Nous, on avait aussi un ensemble de projets lorsqu'il y a eu les événements de 2002. Qui ont perduré. Et monsieur le ministre était là.
Écoutez, vous êtes ministre. Vous êtes ministre. Quand vous êtes ministre, vous devez faire preuve d'initiative. Vous devez faire preuve d'initiative. Vous n'attendez pas qu'un président vous appelle tous les matins pour vous dire que, où est-ce que vous en êtes. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Maintenant, si le président actuel fait preuve de dirigisme pour en arriver là, bon, je suis désolé. Écoutez, toutes les conditions étaient réunies pour que le ministre Patrick Hachi arrive au résultat escompté. Les quelles conditions ? Les conditions, les conditions de financement, les conditions d'études. Sous le président Gbagbo, le financement était bouclé ? Ah oui. Ah oui, mais la vision était différente. Parce que le président Laurent Gbagbo a estimé qu'en plein cœur d'Abidjan, il n'était pas normal d'avoir un péage. Donc des études alternatives avaient été faites pour que la Côte d'Ivoire elle-même finance ce projet et qu'il n'y ait pas de péage là-dessus pour appauvrir les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, ce péage, déjà, la Côte d'Ivoire vient de décaisser près de 12 milliards parce que... il y a eu un certain nombre de problèmes de trafic par-ci, par-là. Il y a des indicateurs qui existent. Les Ivoiriens risquent de payer ça pendant longtemps. Et cette convention de péage de ce pont, Henri Conan-Bédier, il faut qu'on le divulgue pour que les Ivoiriens sachent ce qui les attend. On l'a divulgué sur 30 ans. Ah bon, sur l'éléphant déchaîné? Bon, vous me donnez le numéro pour que je lise. Mais j'ai lu, c'était pas consistant. Personne ne connaît la convention. De quoi on parle là, non, monsieur Hachi, permettez qu'on modère le débat. Non, attends, permettez qu'on modère le débat. Débat là, parce que là où on est, on n'avance pas pour non, les permettez qu'on élève. C'est vrai qu'on va vous relancer. On va vous relancer. Pas avancé. Monsieur Patrick Hachi, permettez, on va vous relancer. Et justement, je vous relance. Parce que dans ce que monsieur Hassan vous semble dire, c'est qu'il y a eu peut-être de la mauvaise volonté de votre part de faire avancer ces travaux pendant que vous étiez dans le gouvernement Gbagbo. Mais c'est bien ça. Vous vous veniez d'un parti. Mais je ne dis pas mauvaise volonté. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une volonté de saboter le travail de ce régime-là à un moment donné? Non, mais très, très honnêtement, toute considération. Est-ce que quand vous me voyez travailler, je ressemble à quelqu'un qui sabote un travail? Un certain nombre d'entre nous qui sommes dans ce gouvernement Ouattara, la première chose qui nous caractérise, c'est l'amour de notre pays. C'est le sens du travail bien fait. C'est le dévouement pour la cause commune de faire émerger notre pays. Vous me voyez, moi, amoureux des projets, technicien par essence, rester là à ne rien faire et à laisser les projets mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette affaire du pont? Puisque vous nous dites mais vous-même ce que qu'en 1999, les financements étaient bouclés. Est-ce que vous aviez besoin qu'on vous bouscule pour le faire? Pourquoi vous n'avez pas pris vous-même l'initiative à un moment donné? Il y a quand même eu le coup d'État en 1999. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne pas oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a celui de 2002 aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Quand un projet a démarré, et qu'il s'arrête alors qu'il a démarré. Les modalités pour le faire reprendre sont beaucoup plus simples que si le projet n'a pas démarré. Je vous dis que le pont Henri Conan-Bédier, en décembre, la première pierre a été posée. Les entreprises ont mobilisé leurs équipements ici à Abidjan. Le personnel est arrivé, était sur le chantier. C'est uniquement parce qu'une banque qui a financé, qui a contribué à 5 milliards, Banque Austria, a décidé de se retirer, que ce montage de 150 milliards ne tenant plus, les gens sont restés pendant un an à attendre pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Il eût fallu simplement qu'une autorité de l'État, le président de la République, le Premier ministre, convie ces personnes, leur donne les garanties nécessaires pour que les gens continuent de chantier. Ce qu'un ministre ne peut pas faire, il n'a pas, je dirais, ces épaules-là, il ne peut pas donner ces garanties. On va peut-être terminer. Je donc vous dis, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ne sont pas des bâtisseurs de nature se prennent pour des bâtisseurs. Je dis que Hafi, vous me voyez avec le Premier ministre d'un camp, il ne se passe pas deux mois sans que le Premier ministre d'un camp et moi ne soient en train de visiter un chantier. Pratiquement, on passe notre temps à ça. Mais on visite, on pose la première pierre d'un chantier, et puis pendant la vie du chantier, on le visite. En deux ans, je n'ai effectué aucune visite de chantier avec Hafi. Je dis bien aucune, je vous mets au défi. Alors, on va arrêter ça. D'accord. Alors, j'ai envie de donner la parole, peut-être Jean-Jacques au représentant du FPI. Votre question, vous terminez évidemment sur le débat des infrastructures. Alors, j'ai envie de poser la question, M. Dongo Asombo. On a l'impression justement que le FPI s'agrippe sur un certain nombre de choses. Est-ce que la finalité, ce n'est pas que le pont soit fait, quel que soit par qui il a été fait, en fin de compte? Est-ce qu'au lieu de proposer quelque chose de différent,
de nouveau, le FPI ne gagnerait pas justement à oublier cela et à arrêter un peu de se plaindre. Non, mais il ne faut pas non plus que le pouvoir pense que c'est lui qui a réalisé ce troisième pont. La réalisation, non, les faits disent que réalisation c'est le pouvoir, d'un troisième c'est sous Ouattara quand même que les fonds ont été mobilisés. La réalisation d'un pont, il est multi-annuel. Il est multi-annuel. Sa réalisation peut se dérouler sur 5 ans, 6 ans. Et chaque gouvernement passe et apporte sa pierre jusqu'à ce qu'on soit dans ce contexte-là et que finalement il soit réalisé. Parce qu'en face, vous avez une opposition civilisée qui a créé les conditions, l'environnement politique pour que le pouvoir puisse travailler sainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque la gouvernance, le gouvernement de Laurent Gbagbo a été attaqué plusieurs fois, le ministre vient de corroborer que le pont n'a pas été réalisé parce qu'en 1999, il y a eu un coup d'État. Oui, c'est ça qui a empêché. Le FPI n'était pas au pouvoir. Oui, mais non, ça n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un coup d'État. Hein? C'est après que le FPI a créé en 2 ans les conditions pour que les bailleurs de fonds reviennent. Et c'est qu'en 2 ans, nous avons créé toutes les conditions. Et c'est après que la guerre a commencé, à l'issue de la même deuxième année que la guerre a commencé. Quelles conditions? Et l'environnement. Monsieur Dongo, essayez d'expliquer ici sur ce plateau, quelles sont les conditions que vous avez créées vous savez pour attirer bien. Les bailleurs vous, de fonds Vous savez très bien qu'après 1999, citez-nous quelques les bailleurs de fonds sont repartis. Non, citez-nous quelques conditions. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous citer. On connaît tous les bailleurs, tous on les bailleurs, juste quelques conditions non, tous les bailleurs de fonds sont repartis, ont suspendu le financement. Même si elles étaient là, elles ont suspendu. Tous les bailleurs de fonds ne sont pas partis. L'Union européenne, on connaît l'histoire. Des 18 milliards hein, qui a conduit l'Union européenne. Les conditions, c'est que quand le pouvoir, Laurent Gbagbo est arrivé, pour parler un peu simple pour que les Ivoiriens connaissent, la Côte d'Ivoire était au troisième, au quatrième sous-sol. Et il fallait donc ramener ce pays à un niveau acceptable pour la communauté internationale. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et on était en train donc de réaliser vraiment les véritables projets de notre gouvernance lorsque, malheureusement, parce qu'il y avait une opposition guerrière, il y a eu le coup d'État de 2002 qui nous a entraîné dans une crise longue. Alors, qui, à la d'abord, fin, tous les bailleurs de fonds n'étaient pas partis. L'AFD, la BAD et la Banque mondiale, parce que pendant la période de crise, on n'a pas payé, je dirais, les arriérés, on a été en défaut et ils ont suspendu selon des procédures normales. Maintenant, les banques arabes étaient là, le fonds coïtien, le fonds saoudien, le fonds d'Abu Dhabi, la BADEA, la Banque arabe de développement, le fonds de l'OPEP, ils étaient là. Et justement, pendant la crise, le pont de Jacqueville a été bouclé par des financements. On était en crise. Donc, pendant une crise, on peut lever des fonds, on peut boucler un fonds. Et là, ils se l'approprient puisque le pont de Jacqueville, effectivement, a été bouclé pendant qu'il était là. Mais le pont de Jacqueville avait déjà commencé. Quand? Les pieux étaient visibles. Lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'il y a eu le gouvernement Ouattara, les puits étaient visibles sur le pont de Jacqueville. Monsieur le ministre, je suis un sachant. Ça veut dire que les travaux avaient déjà commencé. Oui, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire? Est-ce que le ministre Patrick Cassi est en train de dire, justement? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Il disait que rien n'avait commencé. Dans un temps, vous dites que parce qu'il y avait une crise politique, on ne pouvait rien faire. En même temps, on constate que pendant qu'il y a cette crise, il y a un pont qui commence à être construit. Oui, parce que... Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Le président Laurent Gbagbo est un génie. Malgré cette crise-là, il a réussi quand même à faire... À mais justement, donc pourquoi le troisième pont n'a pas pu être réalisé pendant qu'il était là? Parce qu'on avait un ministre qui s'est désintéressé. Et c'est pas le même ministre qui a eu le débat des travaux du pont Jacqueville? Oui, mais parce que maintenant, il est dans un camp qui l'arrange. Voilà. Alors, écoutez, alors, c'est ça qui est la vérité. Jean Varol, on va sortir. Parce que sur le plateau, faut Monsieur le ministre Patrick Cassi. Il faut qu'on sorte de là. Mais, oui, mais, on mais, termine mais, là. Je vais vous donner un exemple simple. Oui, allez-y rapidement. Sous la crise, Monsieur le ministre Patrick Cassi est le ministre des infrastructures économiques. Il a sous sa tutelle deux sociétés, le Fonds d'entretien routier et l'AGROUTE. Mais toutes ces deux sociétés ont été plombées parce que M. Le ministre entraînait une confusion dans leur fonctionnement. Et les deux sociétés ont été plombées. Comment deux sociétés... Quand vous dites plombées, ça veut dire deux quoi sociétés, il a créé la confusion des rôles. Deux sociétés qui sont sous la même tutelle, comment vous pouvez comprendre qu'elles soient en conflit et que le même ministre ne puisse pas régler la situation. Bah, M. Dongo, il y a quand même un chef d'État. Mais que faire et le faire dans ce débat, s'il vous plaît, j'aimerais demander au FPI, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Ivoiriens? Non, sur la question. Il y a quand même un chef d'État. M. Dongo dit que le ministre a créé une confusion, qui a fait que l'entreprise comme la Géroute
et le fait n'ont pas pu fonctionner. Non, mais qui existe qu'est-ce que, encore. Qui existe encore. Qu'est-ce qui a fait... Vous allez parler, monsieur. Je pose la question. Qu'est-ce qui a empêché le Premier ministre Afinissa ou bien le Président Babo de régler cette confusion? Il était le ministre, il n'était pas le Président de la République, quand même. Le Président Babo n'est pas un dictateur. Non, mais écoutez, il laisse l'autonomie à un ministre. De créer la confusion et bloquer l'État. Ah non, pas de créer la proposition. Faisons le débat de fond. Mais on était dans un contexte. On le laisse parler. On était dans un contexte où tous les partis politiques étaient représentés au gouvernement. Mais c'était un contexte difficile. Ils prenaient des ordres auprès de leur président de parti politique. D'accord. Okay. Sans le ministre Patrick Hachi réagir rapidement et on va terminer sur la question. D'abord, il ne peut pas y avoir de confusion de rôle. La Géroute, c'est une agence qui est un maître d'ouvrage délégué du ministère qui s'occupe de réaliser tout ce qui concerne les études, les passations de marché, et enfin, la contractualisation et le suivi des travaux. Donc c'est purement technique. Le FER est un fonds d'entretien routier qui collecte des ressources parafiscales pour financer l'entretien routier. Donc deux objectifs différents, aucune confusion de genre. Mais justement, la question qu'il aurait pu poser, c'était de dire, mais puisqu'il y avait un fonds d'entretien routier, puisqu'il y avait une agence des routes, pourquoi, pendant cette époque, on n'a pas pu faire un entretien adéquat du réseau routier et qu'on ait fini en 2010 avec un réseau aussi dégradé que celui-là? Auquel cas, je réponds oui. Le fonds d'entretien routier devait être abondé en termes de financement par une loi des finances qui disposait qu'une partie de la taxe pétrolière devait alimenter ce fonds. Et que pendant toute la période où, paix à son âme, le ministre Boisbré a été ministre des Finances, ce fonds n'a jamais été abondé, en contradiction totale avec l'ordonnance qui a été prise, où on s'est trouvé donc avec un fonds d'entretien routier sans fonds et avec une agence de gestion des routes attendant quelques petits fonds du budget pour pouvoir financer l'entretien routier. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. En tant que ministre, on a des obligations de réserve. Je suis un sachant. Depuis le début, il est sachant, il dit que des comptes. Moi aussi, j'ai une obligation de réserve. Moi, je suis quoi? J'ai travaillé pendant longtemps la Géroute. Vous le savez bien, monsieur le ministre. Mais oui, malheureusement. J'étais au cœur du système d'information au niveau de la Géroute. J'ai été membre du conseil d'administration. Qu'est-ce que vous avez proposé au niveau de la Géroute pour vous? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire exactement? Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec ces deux institutions? Voilà ce que la réforme dit. Voilà. La réforme dit que la Géroute est l'agence d'exécution. Et que la Géroute est le maître d'ouvrage délégué de tous les travaux sur le réseau routier. Il fallait qu'il y ait une convention entre la Géroute et le ministre de tutelle, qui est M. Patrick Hachi. Mais cette convention a été signée, je crois, oh le pauvre Boaké Fofana, ça a été signé peut-être 5 ans après. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous proposez exactement, au-delà de ce que vous reprochez? Nous allons mettre de l'ordre. Nous allons mettre de l'ordre. Quel type d'ordre allez-vous mettre? Nous allons mettre de l'ordre dans le secteur. D'abord. Juste en deux phrases, monsieur. D'abord, nous allons renforcer les capacités, l'autorité de la Géroute, pour qu'elle puisse assurer sa mission. Vous savez, sous le président Laurent Gbagbo, la Géroute avait la capacité, avait un seuil de passation de marché de près de 10 milliards de francs CFA. Ce qui permettait à la Géroute de faire une consultation interne et d'aller très vite pour l'exécution des travaux. Aujourd'hui, c'est 20 millions, on veut les ramener à 100 millions. Bon, la Géroute, quand vous regardez les statuts de ces deux sociétés, vous ne savez plus qui fait quoi, qui paye les fournisseurs. Les deux sociétés ont été en conflit pendant tout le temps. Le ministre Patrick Hachi a entraîné la confusion. Il n'a jamais tranché. On va marquer une pause. Mais j'aimerais savoir, une petite question à marquer la pause. La Géroute et le FER sont intimement impliqués dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, dans la réalisation routière. Uniquement. Voilà. Dans le cadre d'un programme d'ajustement sectoriel routier, accord qui a été signé par le gouvernement Bédié avec la Banque mondiale, comme ça s'est passé dans de nombreux pays, on a estimé que l'administration centrale, lorsqu'elle s'occupe de gérer des machines et de faire l'entretien routier, est très expansive, elle dépense énormément. Donc dans la plupart des pays de la sous-région, même en Afrique, on a décidé de transformer la direction des routes du ministère en une agence. Et on lui a une agence donc, qui est gérée comme dans le privé, qui donc fait les études, contractualise et suit les travaux. Ça, c'est une agence. Et on a créé un fonds d'entretien routier parce que lorsque les entreprises sont payées sur le trésor public,
compte tenu des problèmes de non-fluidité de la trésorerie, les travaux se font par à-coup. Au moment où on envoie un décompte, il n'y a pas d'argent, les travaux s'arrêtent. Quand l'argent arrive, les travaux sont finis. Donc, on a créé un fonds dans lequel qu'on abonde et qui permet d'avoir une trésorerie fluide qui permet de suivre les travaux, de les payer et de les réaliser dans les temps. Ça, c'est pas une, c'est pas, d'abord, c'est pas le FPI, ça ne vient pas donc, du pouvoir de Gbagbo. Ça a été conçu avant, comme je dis, dans le cadre du deuxième projet d'ajustement sectoriel transport signé avec la banque et le gouvernement. Et le gouvernement Gbagbo est arrivé après et a mis en œuvre les conclusions de ces accords avec la Banque mondiale. Merci beaucoup, M. Patrick Hachi. On va marquer une pause et on revient juste après. Ivoirien, Ivoirienne, en cette année électorale, recevons la médaille de la paix en remportant la course contre la violence. Élection, c'est Panyaga. Retour dans la deuxième partie du Grand Talk consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec nos deux invités, M. Dongo Asonvo du FPI. Vous êtes secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Et M. Patrick Hachi, qui est porte-parole du RHDP et ministre des Ivoiriens des infrastructures. En face de vous, deux journalistes, M. Jules Domché, journaliste à Vox Africa, et M. Assalé Thiemoko, journaliste du bi-hebdomadaire indépendant L'éléphant déchaîné. Vous êtes aussi le directeur général. Dans cette deuxième partie, on va tenter de conclure très rapidement sur la question des infrastructures. Ce qui sera intéressant pour les électeurs, c'est d'avoir le programme des deux candidats en matière d'infrastructures. On va commencer par le FPI. Qu'est-ce que le candidat Fingessan propose aux Ivoiriens en matière d'infrastructures s'il est élu président à l'issue des élections à venir? Il sera élu, c'est le prochain président. La première mesure qu'il prendra en matière d'infrastructures, c'est déjà de mettre fin au programme présidentiel d'urgence. Je crois que lui-même, il a dit, c'est un problème de mauvaise gouvernance, donc on va y mettre fin. Deuxièmement, au niveau du secteur, nous allons compléter le secteur et apporter une amélioration. Qu'est-ce que cela signifie? On a privatisé l'entretien routier à 100%. À 100% en Côte d'Ivoire. Et en le faisant, il y a un maillon de l'entretien routier qui a sauté, qui ne peut plus fonctionner. Alors, quel est ce maillon? Quand vous interrogez les préfets aujourd'hui à l'intérieur du pays, ils vous diront qu'ils préfèrent l'ancien système. Parce que l'entretien courant, qui est un entretien de tous les jours, mais si vous êtes obligé de passer un marché pour y arriver, vous ne faites pas l'entretien courant. Et la Banque mondiale elle-même reconnaît que la privatisation qui a été faite en Côte d'Ivoire est un échec. Donc, ce qui a été fait sous le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, est un échec. Il faut l'améliorer. Donc nous allons ramener le niveau de privatisation à 70%, comme ça se passe par exemple au Ghana, que j'ai visité, comme beaucoup de pays que j'ai visité, on va arriver à 70%. De sorte qu'il y ait un gap de 30% pour permettre qu'en une action rapide à mener, on ne soit pas obligé de passer un marché, de chercher un adjudicateur par-ci, par-là, et donc d'aller directement et de faire l'entretien routier. Donc ça, ce serait une de nos mesures phares. On va renforcer l'autorité de la géoroute, de sorte qu'elle soit l'unique intervenant au niveau de l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Et elle a été créée par décret. Ce n'est pas une transformation de la direction des infrastructures routières qui a donné lieu à la géoroute. Cette direction existe encore. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais terminer rapidement. Vous travaillez toujours à la géoroute, c'est ça? Malheureusement, vous non. Vous avez été renvoyé, vous avez été licencié. J'ai été DG pendant 3 mois par respect de la Constitution de notre pays. Non, par respect de la Constitution, j'ai été DG. Mm-hmm. Et puis bon, il y a eu le coup d'État qui a donné le pouvoir au président Ouattara. Donc, depuis, vous voulez renforcer les pouvoirs de la géoroute. Alors, on va donner la parole au ministre Patrick Hachi pour le programme, les 5 prochaines années du candidat Ouattara. Quand même, juste rétablir également là encore une contre-vérité que j'ai entendue lors de la présentation de M. Hachi la dernière fois, quand il dit que le PPU est ceci, cela, une caisse noire, un fonds destiné à financer en gré à gré. Je crois que vraiment, il y a de la méconnaissance. C'est les projets fonctionnent selon des cadres institutionnels différents. Tout le monde sait, je crois que les infrastructures sont véritablement un des secteurs stratégiques d'un pays qui a l'ambition de croître durablement. Aujourd'hui,
l'ambition du président pour arriver à une émergence 2020, c'est d'avoir une croissance durable. Quels sont les secteurs stratégiques qui vont tirer cette croissance-là? C'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur des mines, c'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de l'industrie. À côté de ça, on a des secteurs transversaux qui également, eux, permettent de tirer la croissance, qui sont les infrastructures de transport et d'énergie. L'infrastructure de transport et d'énergie, c'est ports, aéroports, chemins de fer, routes, ponts et, naturellement, énergie électrique. Voilà les secteurs stratégiques sur lesquels. Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que les pays qui avancent, ce sont les pays qui ont un avantage comparatif. Les infrastructures constituent un avantage comparatif pour l'attrait des investisseurs privés étrangers qui sont un élément fondamental de la croissance durable. Si vous prenez des pays comme Singapour, c'est un petit archipel au milieu d'un océan. C'est son infrastructure qui fait sa porte, en particulier son infrastructure portuaire. Donnez-nous si deux projets concrets ici, nous, pour le prochain mandat et dans on va un horizon, dans un horizon 10 ans, dans un horizon 5 ans d'abord, puis 10 ans, c'est de faire des projets autoroutiers. 2000 km d'autoroute qui vont permettre de connecter le pays, mais surtout l'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire ne peut pas atteindre l'émergence et la croissance qu'elle veut si elle se contente en activité économique dans le pays. Ça veut dire qu'en fait, c'est la sous-région ouest africaine qui va être... Donc, un des projets phares, c'est l'autoroute Abidjan-Lagos. Voilà. Ensuite, il y a également tout ce qui est création de pôles de croissance. Abidjan ne peut pas être une mégalopole économique qui reste là. Toutes les grandes capitales économiques ont des pôles de croissance, plusieurs villes. Donc, c'est de développer les infrastructures dans 2, 3, 4 villes au nord, Korogo, au centre, Boaké, à l'est, à Bangourou, voilà. Merci. Pour en faire des pôles de croissance qui vont permettre effectivement au pays de devenir émergent. Merci. On va parler maintenant d'un élément essentiel, hein, notamment les logements sociaux, hein, les infrastructures qui ont été prévues pour les Ivoiriens, des milliers de souscripteurs. Les premières clés auraient dû être remises en juin dernier, mais jusqu'à présent, justement au niveau des logements sociaux, les souscripteurs ne sont pas entrés en possession de leurs appartements, de leurs maisons. Monsieur le ministre Hachi, pourquoi ça piétine encore et ça traîne, devrais-je dire, en longueur sur le projet des logements sociaux? Alors, la question du développement des logements sociaux répond à un certain nombre de logiques et à un certain nombre de facteurs extrêmement importants. Le premier est le foncier. Il faut avoir du foncier disponible en quantité suffisante, parce que les logements qu'on fait, c'est des logements en volume. Pour faire des logements qui soient peu chers, il faut faire des logements 10 000, 15 000, 20 000 logements. C'est de grands espaces. Deuxièmement, c'est la viabilisation. Quand vous arrivez dans un pays où pratiquement, je dirais, tout est en état de non-fonctionnement, vous ne pouvez pas construire des maisons dans un environnement où on ne peut pas vous donner de l'eau à boire. Or, l'entrepreneur qui vient construire, parce que quand on dit le développement des logements sociaux, ce n'est pas l'État qui construit. L'État crée un environnement propice pour que le secteur privé développe. Donc aujourd'hui, les grands projets avec des grands promoteurs sont financés par le privé et réalisés avec des facilités fiscales de l'État. Donc il faut déjà avoir de l'eau. Tout le monde sait que pendant 2 ans après la crise, on a eu des problèmes d'eau à Abidjan. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a véritablement réglé ce problème-là. Deuxièmement, est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce qu'on a effectivement des routes qui y accèdent? Puisque pour avoir un terrain suffisamment grand pour qu'ils puissent habiter ce nombre de logements-là, il faut l'avoir dans un endroit qui n'est pas proche d'Abidjan. Au cœur d'Abidjan, vous n'avez plus cet espace-là. Dès que vous commencez à aller dans la périphérie d'Abidjan, vous avez un problème d'infrastructure qui pose des problèmes de viabilisation de base. Donc, il a fallu que l'État mette en chantier ces grands projets de viabilisation. Conduite amenée d'eau, conduite amenée d'assainissement, conduite amenée de route, pour permettre d'évacuer 15, 20 000. 20 000 logements, vous imaginez le nombre de véhicules, des personnes qui sortent. Aujourd'hui, vous avez des petites ruelles comme ça qui y conduisaient. Donc, toutes ces infrastructures préalables ont été celles qu'il a fallu faire pour qu'effectivement les promoteurs soient encouragés à le faire. Parce qu'eux, ils prennent les financements. S'ils commencent à le développer, qu'ils ne peuvent pas effectivement vendre ces logements parce qu'ils ne sont pas accessibles, parce qu'ils n'ont pas les commodités, ça pose un problème. Donc, le démarrage des chantiers a commencé tard. La deuxième chose, c'est le financement. Ces logements sont acquis par des personnes privées. Ils sont acquis à travers des crédits acquéreurs. Le crédit acquéreur, aux conditions de financement qui existaient alors, les logements reviennent trop chers. Les quotités cessibles des personnes acquéreurs ne permettent pas d'acquérir ces logements-là. Donc, il a fallu rallonger, voire avec la BCEAO, négocier pour changer le cadre financier, rallonger les délais, bonifier le taux et créer un environnement financier favorable à l'acquisition des logements par le tiers. Tout ça a été le chantier qui a été fait pendant ces 2-3 ans et qui permet aujourd'hui on a des Chinois, on a des Marocains, on a pratiquement 100 000 logements qui sont déjà en chantier et qui maintenant peuvent effectivement aller
parce que la viabilisation primaire a été faite, parce que le cadre financier est assaini et permet effectivement au personnel d'accéder à ces logements-là. Que pensent les Ivoiriens des logements sociaux? On va regarder ce reportage et on revient dans un instant. Les logements sociaux, là aussi, c'est une bonne idée au niveau de l'État. Mais je veux dire, dans la construction et la manière de gérer aussi cet aspect-là, voilà, c'est ça aussi qui cause problème. Bon, au niveau des logements sociaux, j'ai cru entendre qu'il fallait se faire recenser, surtout au niveau de Adjamé et Mirador. Mais à un moment donné, les choses se sont arrêtées. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un cafouillage ou bien qu'est-ce qui s'est passé, mais il faudrait que les gens nous expliquent pour qu'aujourd'hui, chacun de nous a envie d'avoir un chez lui. Mais comment procéder? Voici la grande question. Comment procéder? Alors que l'État nous apporte certaines solutions à ce niveau-là. Voilà. Les logements sociaux, je crois que c'est une bonne idée. Voilà, c'est une très bonne initiative, ce qui permettra à chacun d'avoir un toit. Donc celui qui a même un revenu moyen peut avoir un toit pour produire ses familles. Donc je crois que c'est une bonne idée. On va rapidement prendre l'avis justement du FPI sur les logements sociaux. Ce n'est pas nouveau les logements sociaux. Mm-hmm. Mais nous ne l'avons pas baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux parce que nous avons une politique cohérente, le chef de l'État a son rôle, les ministres ont leur rôle. C'est un programme qui existait déjà et qui a été maintenant baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux. Le problème qui est posé est le suivant. Quand vous faites le tour des banques, on parle du crédit acquéreur de 5,5%. Mais quand vous faites le tour des banques, elles ne sont pas au courant. Les conditions techniques qui existent dans ce programme présidentiel, quand vous allez à la loi, à l'annexe, à la loi des finances, elles n'existent pas. Mais quel est votre constat global, en fait? Si on devait résumer votre constat global, je suis en train de vous dire. Une réussite, un échec? C'est un échec. C'est évidemment un échec. Mmh. Okay. En tout cas, merci beaucoup. On parle dans un instant d'école et d'école obligatoire. Et puis, pour en parler, justement, elle est secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est Madame Essis Thomé que l'on retrouve juste après ce jingle sur notre plateau. Retour dans le grand talk avec Madame Essis Thomé qui nous a rejoint. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Je voudrais rappeler vos titres. Si vous êtes secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouais. On va parler justement école et notamment la mesure de l'école obligatoire prise par le gouvernement pour tous les enfants de 6 à 16 ans depuis la rentrée 2015-2016. Et puis, 700 milliards de francs CFA dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour recruter 644 instituteurs au préscolaire, 4234 enseignants au primaire et 256 professeurs de collège. Pour l'enseignante que vous êtes, c'est quand même une mesure à saluer. Oui. Je dois dire que c'est une mesure à saluer, bien sûr. Mais en même temps, j'ajoute que c'est une mesure décrétée pour les élections. Pourquoi? Parce que avant de parler de l'enseignement obligatoire, il faut parler de l'enseignement gratuit. Et depuis la prise de pouvoir du FPI, depuis 2000, l'enseignement gratuit est appliqué. Et ce qui devait se faire, c'est d'aller jusqu'à atteindre la gratuité totale. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la mesure prise par M. Alassane Ouattara et son gouvernement? Je ne reproche rien à cette mesure, mm-hmm. sauf que cette mesure, vous avez dit que c'est une mesure électorale. Cette mesure devait être planifiée, et je dis bien. Ça veut dire quoi? Que lorsque on installe des frais d'inscription en ligne qui coûtent 6 000 publics, 3 000 francs dans le privé, et qu'ensuite les parents sont obligés d'aller payer des frais d'inscription dans les établissements. Et dans les établissements privés, c'est encore pire, on ne peut pas parler d'école obligatoire. L'école obligatoire viendra à partir du moment où on aura effectivement atteint la gratuité. Et dans ce cas-là, alors le parent
qui n'aura pas mis son enfant à l'école parce qu'on lui a donné tous les moyens de mettre l'enfant à l'école, peut être sanctionné. Oui, je vais peut-être prendre la réaction du ministre Patrick Hachi sur le problème que pose madame. On ne peut pas dire que l'école est obligatoire si elle n'est pas gratuite à la base. Parce que quand on regarde le pouvoir d'achat des Ivoiriens, de certains Ivoiriens, ils n'auront pas les moyens, forcément, pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce qui est grave aujourd'hui, et moi je suis président du conseil régional par ailleurs, donc au fait, au quotidien, d'un problème d'éducation d'enfants dans ma région. Les enfants arrivent à l'âge de 6 ans, 7 ans. Ils n'ont pas de classe pour emmener leurs enfants à l'école. Déjà, il y a ça. Ils veulent aller. Parce qu'aujourd'hui, qui, dans le milieu rural ou urbain, accepte de laisser, je dirais, son enfant sans l'amener à l'école? C'est pratiquement le premier poste, je dirais, de dépense. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils vont payer dans le privé pour amener les enfants à l'école parce que le système public n'offre pas toujours le nombre de places suffisantes pour le faire. C'est pour ça qu'on oriente un certain nombre d'enfants pour lesquels l'État a la capacité de prendre en charge, je dirais, la gratuité de l'enseignement. Le reste vont dans le système, je dirais, privé, qui est 10 fois plus coûteux. Aujourd'hui, l'idée est de dire que, par rapport à la vision du président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, on ne peut pas avoir des populations qui ne sont pas éduquées. Des populations qui ne sont pas éduquées ne permettent pas de développer des projets où que ce soit, avec des personnes qui aient la capacité de l'absorber et de le comprendre. Donc, éduquer les enfants, les amener à l'école, leur donner un minimum de niveau, c'est l'essentiel même pour un État qui ambitionne à un moment ou à un autre de devenir un État émergent. Bon, maintenant, c'est même très courageux, parce que quand on décrète que l'école est obligatoire, le problème que ça pose, c'est en face la nécessité de construire les infrastructures pour absorber ces enfants qui vont venir. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on a environ 5 millions d'élèves qui sont dans le domaine, je dirais, primaire, secondaire. Ça nous amène cette année, comme bachelier, 82 000 candidats admis au bac pour 200 000 étudiants qui existent déjà. Ça fait 40 % d'augmentation. L'année prochaine, c'est 100 000. Le taux de croix démographique est tel que ça nous enlève tel que la pression sur les infrastructures scolaires sont telles que normalement, quelqu'un qui, en fait, veut fuir la réalité ne devrait pas faire l'école obligatoire pour avoir le minimum de dépenses sociales en infrastructures scolaires à faire. Mais non, ce n'est pas ça. Au contraire, le président Alassane Ouattara a le courage de dire on a un problème d'infrastructure d'éducation, il faut adresser la question. On a un problème d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école alors que les parents veulent les y amener. On n'oblige pas quelqu'un à amener son enfant à l'école. Tout le monde veut amener son enfant à l'école. Mais on n'a pas les infrastructures adéquates. L'État de Côte d'Ivoire a promis quand même de sanctionner les parents qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école. Mais oui, la question de M. Assalé... Moi, je ne veux pas revenir sur la réalité là. J'arrive de l'intérieur du pays, il y a des villages où des enfants qui ont 6 ans, il y en a 45 ans, 60 qui sont... ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de classe, ça c'est une réalité. Mais la question que moi je voulais poser, c'est l'affectation des enfants qui ont l'entrée 6e dans les écoles privées par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des lycées et collèges dans lesquels les frais d'inscription sont à 100 000 francs pour l'élève affecté par l'État. Alors que cet élève-là est subventionné, l'État reverse de l'argent à cet établissement. Comment se fait-il que depuis plusieurs années, l'État n'a pas réussi à uniformiser l'inscription et dans le public et dans le privé pour ses élèves? Alors en fait, ça c'est le fond du débat sur la capacité de l'État à créer des infrastructures suffisantes pour accepter la totalité des élèves qu'il souhaite orienter. Ça contraint l'État à faire appel au privé pour compenser, à un moment donné, la capacité de l'État à construire. Effectivement, quand on fait appel au privé, ça pose un certain nombre de contraintes. C'est pour ça que l'État prend en charge, je dirais, la scolarité et le pays. En fait, ce qui se pose comme problème ici, c'est que pour tous les enfants de l'école primaire, l'État paye les kits scolaires. On a payé pour 10 millions de kits qui ont été payés. On crée les conditions en créant des cantines. On subventionne pratiquement 4000 cantines, on en a créé 1000, je dirais, de supplémentaires. On fait également des aides au paiement des manuels. Donc, l'État essaie de créer toutes les conditions pour rendre aux parents l'accès aux élèves dans les classes le plus simple possible. Maintenant, il faut regarder une chose. Je crois que sur ces débats de gratuité, sur ces débats de subvention, sur ces débats de politique sociale, l'État est contraint, je dirais, de faire un arbitrage qu'il fait au mieux. D'une part, vous avez besoin de ressources pour financer des secteurs qui tirent la croissance pour que la croissance durable enrichisse le pays et que de cette richesse-là, on subventionne des secteurs sociaux extrêmement importants. De l'autre, vous avez une démographie galopante qui exige
que des personnes, pour avoir un minimum de décence de vie, exigent qu'on mette de l'argent. Si vous mettez toutes les ressources là-bas, vous ne financez plus la croissance. Et à un moment donné, vous arrêtez. Donc, l'État essaie de faire un arbitrage intelligent entre la nécessité de donner à ces populations, je dirais, un niveau de développement social adéquat et la nécessité de financer des secteurs stratégiques de croissance. Je voulais que Mme Essis Thomé réagisse. Quand vous essayez de nous dire que le projet présenté par le candidat Ouattara est un projet de campagne, donc ça veut dire que c'est un effet d'annonce, sur quels éléments concrets vous vous basez? Est-ce que selon vous, ce n'est pas réaliste? Mais surtout au-delà, quelle est l'alternative que propose le Front populaire ivoirien? Merci. Je crois qu'il y a confusion dans la compréhension de ce que j'ai dit. Parce que dans le programme de gouvernement du candidat Pascal Affi-N'Guessan, il est question de construire des écoles dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire, là où ça ne se trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des villages qui n'ont pas d'école primaire pour l'éducation de base. Donc, construire les infrastructures n'a rien à voir avec l'école obligatoire dont je parle. Donc, la priorité d'un État, effectivement, comme l'a dit le ministre, c'est de construire suffisamment d'infrastructures pour que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est admis par tout le monde. Et c'est ce que chaque gouvernement s'est attelé à faire. Maintenant, dans le cas, quand je dis que c'est un slogan, c'est tout simplement parce que, avant d'y arriver, il y a des étapes à suivre. Et la première étape, je dirais, c'est la gratuité. On ne peut pas dire qu'en 2016, l'école est obligatoire, alors qu'on n'a rien fait. Même moi, je reviens sur les frais d'inscription. Ces frais d'inscription, en son temps, c'était 6 000 francs dans les établissements publics et dans l'établissement lui-même. 6 000 francs tout court. Et on a lutté d'ailleurs pour que les cotisations anarchiques ne s'effacent pas. Alors, aujourd'hui, on en est à des frais d'inscription en ligne qui coûtent 6 000 francs. Et puis 3 000 francs pour le privé, alors que le parent va encore aller dans l'établissement privé où les frais d'inscription grimpent jusqu'à 50 000, voire plus. Ou alors il va encore, quand il a fini en ligne, il va encore dans l'établissement public où il paye encore. Là, ça va de 8 000 francs, 10 000 francs. Ce que le FPI propose, c'est qu'il va falloir retourner à la gratuité. Parce que les gouvernements successifs ont travaillé sur la gratuité. C'est pour ça qu'on en était arrivé à 6 000 francs en frais d'inscription dans les établissements seulement. En tout cas, merci beaucoup, M. Patrick Hachi. Peut-être une dernière réaction sur ce qu'elle vient de dire. Oui, moi, vous savez, aujourd'hui, on a un PIB d'environ 21 000 milliards. On a, nous, aujourd'hui, environ 22%, je dirais, qui est consacré au secteur de l'éducation. Qui est un élément. 22% du budget est consacré à l'éducation nationale. C'est un montant extrêmement important qui montre l'engagement fort du président. Maintenant, vous pouvez faire un chapitre. Mais il y a un gap entre la volonté et la réalité. Non, Madame pouvez... parle des faits réels. Sur la question, par exemple, des 170 lycées et collèges annoncés, est-ce que cela a été fait? Mais c'est l'évident. Mais pourquoi vous voudriez qu'on... Mais alors, elle n'a qu'à le demander. Moi, demain, je lui donne la liste des 170, elle va vérifier. Pourquoi on ne met pas dans ces conditions-là 120 ou 250? Tant qu'à faire, mettons 500. Je veux dire, si on met 170, c'est qu'il y en a 170 qui ont effectivement été faits et elle peut le vérifier. Malheureusement, donc... c'est fait là où il ne faut pas. Bon, ça, c'est. Bon, au moins, c'est fait là. Là où il y a l'urgence, ça n'a pas été fait. Bon, donc c'est fait au moins déjà. On a réglé ce problème. Pour la Côte d'Ivoire. Bon. Mais là où il y a les urgences, malheureusement. D'accord, mais là, on a une appréciation de l'urgence qui n'est pas tout à fait la même. Mais enfin, je lui laisse ça. Moi, je suis enseignante et je sais où se trouvent les urgences. Mais je suppose que ceux qui gèrent l'école sous le gouvernement Ouattara sont aussi des enseignants. Oui, on le sait. Donc, c'est un jugement de valeur. Voilà. Je respecte votre jugement, mais je considère que le mien aussi est un jugement fondé. Oui. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention. Faire des chapelets de vœux pieux, quand on est incapable, dans un budget, de mobiliser les ressources pour le faire, mais on se heurte à ce qu'on a déjà vu. Je ne veux pas revenir sur le gouvernement Affi et les promesses mirabolantes qui n'ont pas été faites. Maintenant, on met ça sous le coup des crises. Je veux dire, je suis toujours en fonction. Je garde mes obligations de réserve sur la question. Mais je pense que ce projet du président Alassane Ouattara est un projet visionnaire, est un projet d'envergure pour lequel elle-même, elle a reconnu la nécessité de faire. Maintenant, il y a peut-être d'ajustements, il faut affiner ici et là. Mais sur le fond, je dirais, où que vous alliez dans le monde, le concept de l'école obligatoire est ce à quoi tout le monde aspire. Alors, M. Patrick Hachi, il y a une question que je brûle d'envie de vous poser depuis la première partie de l'émission, parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup, et vous semblez aujourd'hui vouloir balayer ça d'un revers de la main. C'est le bilan, par exemple, de l'ancien régime, du régime Gbagbo. Est-ce qu'on peut défaire l'impact
de la crise de ce pays-là sur ce bilan? Parce qu'on accuse souvent Laurent Gbagbo de beaucoup utiliser la crise comme justificatif d'une certaine non-action. Mais est-ce que vous qui avez été dans ce gouvernement-là, vous pouvez dire aujourd'hui que la crise n'a pas impacté un certain nombre de choses qui auraient dû être faites? Mais forcément, la crise a impacté, je dirais, d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est dans quelle proportion? C'est là où je dirais, il y a le débat. Je veux dire, la crise n'empêchait pas de rien faire du tout. Voilà, puisqu'il y a eu des ressources, il y a eu des budgets qui ont été dégagés. À quoi ces budgets ont-ils été alloués? Ont-ils été alloués à l'urgence? Je ne veux pas faire le débat ici, l'ouvrir, mais je pense que c'est trop facile de tout mettre sur la crise. Voilà, ce gouvernement a surtout eu une essence politique et un objectif, je dirais, politique, à mon sens. Voilà. Mais, non, mais est-ce qu'il avait le choix, Patrick Cassi, sur une question un peu plus globale? Non, madame, et puis je vous donne la parole. Jean-Jacques Varol, avec ta permission, parce que ça me semble quelque chose, ça me semble quelque chose de fondamental. Parce que vous dites que c'était un régime qui avait une aspiration beaucoup plus politique. Est-ce que ce régime avait le choix? Parce que ça nous pose la question globale des gouvernements d'union nationale qu'on essaye de constituer en Afrique avec des gens que tout oppose. Et on estime que comme on va les mettre ensemble et chacun aura une part, un ministère ici, un ministère par là, tout le monde sera content. Est-ce que c'est vraiment possible de construire dans ces conditions? Est-ce que ça ne doit pas interpeller pour le futur? Non, ça interpelle nécessairement que la paix, la stabilité, la sécurité sont des facteurs déterminants du développement et de la croissance d'un pays. Et que pour rien au monde, il faut se mettre dans une situation où on crée la crise, l'insécurité, pour rien au monde. Ce n'est positif et ce n'est contributif au développement en rien. C'est pour cela d'ailleurs que le président Alassane Ouattara fait de la réconciliation, de la paix et de la stabilité un élément fondamental. Parce que le développement finalement, et vous le savez, ce n'est pas tant les investissements publics que l'attrait des investissements directs étrangers qui font la croissance. Comment vous allez attirer des investissements étrangers alors que vous êtes en compétition avec le monde? Aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus militaire. Elle est une guerre économique, une guerre des intelligences. Et vous attirez par votre compétitivité les investissements les plus importants. Que ce soit l'Amérique, la France, le Japon, tous les pays développés cherchent des investissements directs étrangers venant de l'extérieur. Nous aussi. Donc je pense que, manifestement, pendant cette période, ce que je dis, c'est que si l'on avait voulu, il y a des investissements qui concernent le développement qu'on aurait pu faire. Il y a des investissements de maintenance qui auraient pu être faits, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Mais comme je dis, je ne veux pas, dans le contexte où je suis, et parce que j'ai été partie prenante de ça, rentrer dans un débat et des prises de position qui ne nous apportent rien aujourd'hui. On va terminer. Autant regarder l'avenir et avancer. Madame Essistomé, oui. Très rapidement. Oui, oui, peut-être la question. Oui, non, je voulais voir sa réaction par rapport à... Voilà. Comme a dit monsieur le ministre, il faut la paix, là, surtout en Côte d'Ivoire, il faut la réconciliation, quelles que soient nos origines. Justement, c'est pourquoi le FPI s'est engagé, malgré ce que le FPI a subi et continue de subir. Mais je voudrais dire que pendant la crise, le RDA a utilisé l'école comme une arme de guerre, je le dis. Parce que les écoles, ils ont décrété que les écoles dans les zones CNO doivent être fermées. Et ces écoles ont été fermées. Et tout le monde affluait vers le sud. Oui, parce que les parents cherchent toujours des issues pour mettre leurs enfants à l'école. Et des solutions alternatives ont été trouvées par-ci, par-là. Donc la crise a été terrible pour l'éducation. Alors que, quels que soient nos problèmes, l'éducation, base de tout développement, devait être préservée par tous les partis en présence. Et je répète cela, il faut préserver l'éducation par tous les moyens. Mais en même temps, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Allez-y, parce que j'ai dit que, comme l'a dit le ministre, c'est rechercher les financements. Effectivement, le programme de gouvernement en matière d'éducation du candidat Pascal Affi-N'Guessan est ficelé sur le plan financier. Il a des experts qui ont ficelé ce programme sur le plan financier. Je rappelle que le gouvernement aujourd'hui, ceux qui sont venus, ont balayé d'un revers de main tout ce qui a été fait, notamment le rapport d'état du système éducatif national. Alors que tout dedans, c'est un rapport diagnostique qui a tout fait, qui a mis en évidence les faiblesses et qui a fait des propositions de solutions pour aller vers l'éducation pour tous. Okay. On va terminer très rapidement. Je ne vais pas être long. Oui, je pense que vous savez, dans ce genre de débat, parce qu'on débat sur l'essence d'une nation, sur ses objectifs, sur ses grands enjeux et sur ses grands défis. Ce que je retiens, c'est que sur la volonté du président Alassane Ouattara d'instaurer l'école obligatoire, le FPI n'y a aucune objection et trouve même d'ailleurs que c'est une bonne chose.
Ils ont éventuellement quelques préalables et quelques modalités de mise en œuvre, mais je crois que sur le thème que vous avez développé, la question, elle ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucune contestation. Je m'en félicite et vraiment, je voudrais la remercier. Non, parce que, il y a des ambiguïtés. J'ai dit tout à l'heure que pour l'enseignement supérieur, l'université par exemple, 110 milliards ont été dépensés. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Par contre, quand vous rentrez chez nous, à l'université, dans nos laboratoires, dans les bibliothèques, dans tout, il n'y a rien. Où se trouvent les 110 milliards? Il ne s'agit pas juste de décréter, de faire de la propagande. Il faut effectivement que ce qui est dit se fasse. Il faut que la réhabilitation soit effective pour tous les étudiants. Mais on a vu les universités rénovées, madame. Mais vous voyez, c'est l'extérieur. Vous ne rentrez pas. Moi, j'y rentre à l'intérieur. Allez, on va terminer très rapidement, une minute à chacun pour son candidat, évidemment, et inviter les électeurs à choisir vos candidats respectifs. Et on va commencer par M. Patrick Hachy et terminer par Madame. Monsieur, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée de présenter la politique de développement du président Alassane Ouattara sur plusieurs dimensions. Je voudrais dire aux téléspectateurs que le projet du candidat Alassane Ouattara pour les 5 ans qui viennent sont un projet pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, auquel les Ivoiriens aspirent tous depuis tant d'années. On est resté sur le rêve du premier miracle ivoirien qu'a réalisé le président Houphouët-Boigny, puis ensuite le président Bédié est venu pour le poursuivre. Et aujourd'hui, on a une opportunité unique de se réconcilier avec cette image, je dirais, du miracle de la Côte d'Ivoire. Le programme qui est proposé par le candidat vise véritablement ce miracle-là à travers cette volonté d'aller vers l'émergence. Le programme, aussi bien de développement économique que de développement social, est sous-tendu par un budget réfléchi, médité, approuvé par les bailleurs de fonds. Récemment, à la dernière mission du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire est passée de modérée à adéquate, ce qui veut dire qu'on est l'une des économies gérées de façon les plus saines possible. Une économie saine dans un pays stable, en sécurité, qui donne aujourd'hui à tous les Ivoiriens l'espoir, enfin, que la Côte d'Ivoire occupe à nouveau sur la scène nationale et internationale le rang qu'elle n'aurait dû jamais perdre. Madame Essis Thomé-Hortense. Donc je vous remercie vraiment par rapport à ce que l'opportunité que vous nous offrez pour présenter le programme de gouvernement du candidat Pascal Afingessan pour ce qui concerne des parties du secteur social, notamment de l'éducation. Le candidat Pascal Afingessan est un candidat pour la paix et la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Les chiffres, vous allez entendre, depuis longtemps, nous sommes abreuvés des chiffres. La réalité est tout autre. Avec le président Pascal Afingessan aux commandes, ce sera non seulement des chiffres, mais la réalité effective avec les chiffres. Donc si vous voulez que vos enfants aillent à l'école, effectivement, si vous voulez que, quels que soient vos moyens, vos enfants puissent aller à l'école, vous n'avez pas d'autre choix que de voter le candidat Pascal Afingessan. Parce qu'avec lui, la population ivoirienne est prise totalement en charge dans tous les secteurs de la société, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'éducation, ces grands secteurs sociaux que nous connaissons. Merci encore, madame. Merci, madame. Ils étaient nos invités. Monsieur Patrick Hachy, porte-parole du RHDP. Madame Essis Thomé-Hortense, qui est la secrétaire nationale au FPI chargée de la recherche, l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avant vous, c'était monsieur Dongo Asanvo, secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets. Merci à Salé Thiemoko, sans oublier Jules Dompché. La campagne électorale bat son plein en Côte d'Ivoire. Vox Africa ouvre le débat tous les soirs à 20h. Tous les soirs, vous retrouvez Focus spécial avec l'ensemble des candidats. Et puis 20h30, le grand talk qui ouvre le débat avec ses invités. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro sur Vox Africa.